dilution d'une solution. Diluer une solution, c'est ajouter du solvant pour fabriquer une solution moins concentrée que la solution initiale. On peut par exemple prendre du sirop de grenadine et, en ajoutant de l'eau, réaliser différentes solutions de grenadine de différentes concentrations. Les solutions n'ont pas la même couleur puisqu'elles n'ont pas la même concentration en grenadine. Au laboratoire, on peut diluer des solutions commerciales très concentrées, comme par exemple l'acide chlorhydrique concentré ou la soude concentrée. Les granules homéopathiques sont réalisées par dilution d'une solution mère contenant le principe actif. On peut aussi réaliser une solution par dilution lorsque la masse de soluté à prélever est trop faible. Par exemple, si on souhaite préparer un volume V égale 10 ml d'une solution de glucose de concentration C égale 1,010-3 mol par litre, il faudrait prélever une masse petit m qui est égale à C fois V fois m, c'est-à-dire 1,810-3 g, donc 1,8 mg de glucose, ce qui n'est pas possible avec le matériel du laboratoire. On va donc plutôt réaliser une solution plus concentrée, puis la diluer. On dispose au laboratoire d'une solution commerciale S0 dont la concentration en soluté est C0 et connue avec précision. Pour préparer un volume V1 de solution S1 de concentration molaire C1 inférieure à C0, il faut diluer la solution commerciale. On prélève un volume V0 de la solution mère et on ajoute du solvant jusqu'à obtenir un volume V1 de solution fille. Au cours de la dilution, la concentration en espèces dissoutes diminue car la même quantité de soluté se trouve dans un volume plus grand. Le facteur de dilution est le rapport entre les concentrations des solutions mères et des solutions filles, c'est-à-dire F égale C0 divisé par C1. Les deux concentrations s'expriment en mol par litre. Le facteur de dilution est ainsi toujours supérieur à 1, puisque C0 est toujours supérieur à C1. Et c'est un nombre qui n'a pas d'unité. Prenons un exemple. On dispose d'une solution de soude de concentration C0 égale 1,010-1 mol par litre. On réalise une solution de concentration C1 égale 0,50-10-1 mol par litre, qui est bien inférieure à C0. Le facteur de dilution est F égale 1,010-1 divisé par 0,50-10-1, ce qui fait 2. On dit que la solution a été diluée 2 fois.